Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, on attendait tous ce jour. C'est le jour de la mise à jour. Donc on va la faire ensemble parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la faire. Et comme ça, eh bien, je vais vous guider. C'est très 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 facile. Et avant de commencer cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus si vous kiffez ce jour de mise à jour. Et bien sans plus tarder, c'est parti. Alors c'est très facile, il suffit de rester sur le jeu. Je ne sais pas si ma console ne l'a pas faite automatiquement. Et ensuite, quand vous êtes sur le jeu comme ça, vous avez juste appuyé sur la touche plus. Et vous allez avoir cette page qui apparaît. Donc la version 1.8.0, je ne suis pas sûre, j'ai un doute. Vous allez sur mettre à jour via internet. Vous disposez déjà de la plus récente version du logiciel. Donc oui, ma console, elle l'a faite automatiquement quand je l'allumais. Je n'étais pas sûre, mais j'ai vu une petite barre de chargement. Du coup, voilà, bon, ça a été fait. Et bref, bon, bah, de toute façon, vous savez comment faire. Dans tous les cas, voilà, évidemment, il faudra bien être connecté à Internet pour pouvoir, eh bien, effectuer la mise à jour. Et bah, c'est parti, on va démarrer le jeu. Ok, on se retrouve, eh bien, au bulletin insulaire de Marie. À mon avis, elle va pas dire grand-chose. À mon avis, surtout, eh bien, aujourd'hui, on a la mise à jour. On aura peut-être des objets qui seront disponibles, mais la plus grosse partie sera à partir du 1er mars. Donc, bah, c'est dans quelques jours, donc c'est très, très, très bientôt. Mais bref, on va voir tout ça. Alors, bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce jeudi 25 février 2021, il est actuellement 8h39 sur notre belle Kibi Island. Et ouais, voilà. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. Ah, j'ai aperçu des bambous tout à l'heure et cela m'a rappelé une anecdote que j'ai entendue. Ah, mais oui, c'est vrai! Mais oui, c'est vrai, il y a les jeunes bambous, c'est le printemps. Et en fait, ça y est, il n'y a plus de neige. Oh, on va découvrir l'île sans neige. On va découvrir l'île sans neige, ça va être... Oh, ça va être sympa, ça va être sympa, je pense. J'espère que ça va être joli, en tout cas. Ce qui me fait penser, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets de bricolage de saison surtout. Ah ouais, il va falloir que rush les jeunes bambous, parce qu'il y a des plans qui sont très sympathiques. Donc c'est cool, ça. Ah oui, oui, c'est très très cool. Ok, et bah c'est parti. Bah comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la main. Oh, ah ouais, c'est gris, c'est pas terrible. Aïe, 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 c'est pas terrible. Ah là là, il y a un entre-deux comme ça. Oh my god. Oh, je sais pas ce que vous en pensez. On va faire le tour de l'île, hein. C'est pas ouf, hein. Aïe, 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 c'est pas ouf du tout, ça va. Heureusement que j'ai que des couleurs qui sont assez flashy et qui vont relever un petit peu ce vert. Ah ouais, ça fait un peu vert cacadois, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah purée, j'avais zappé que c'était pas terrible. Oh, je pensais qu'on allait, avoir un verre un petit peu plus flashy. Je me souvenais plus qu'il était comme ça, ce verre-là. Je crois qu'on l'a jamais... Si, c'est le même verre qu'à l'automne. Aïe, 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 c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va aller ouvrir le courrier. Normalement, on devrait avoir un petit courrier de Nintendo. Ah, voilà. Alors, moi, j'ai commandé pas mal de choses. Des petites robes que j'ai commandées. Qu'on va offrir aujourd'hui à mes petits habitants. Des petites robes et puis des petits hauts, des petites choses très kawaii comme d'habitude, évidemment. On a un cadeau de Christine. Hop là, je récupère. On va avoir le fameux cadeau de Nintendo. On va le prendre en dernier, le cadeau de Serena. Parce que hier, j'ai mis mon rêve à jour. D'ailleurs, hein, n'hésitez surtout pas si vous avez envie de visiter mon île. Eh bien, mon île a été mise à jour hier. Et donc, le cadeau de Nintendo pour la mise à jour. On va aller regarder tout de suite tout ça. Hop là, on va ouvrir d'abord les cadeaux. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Alors, hop. Ça, c'est le cadeau de Christine. Un sac de Cosmo rouge. Ok, ça va me servir à rien, mais c'est pas grave. C'est gentil quand même. Merci, Christine. Alors, ensuite, oh, on a un ticket de clochette. Ok, qu'on va revendre. Et donc, le fameux cadeau de Nintendo... Oh!
Ah là là, on va aller regarder ça tout de suite. On va aller regarder ça tout de suite. Le mur de Mario, génial. Hop, j'ouvre tout le reste. Comme ça sera déjà prêt pour qu'on puisse les emballer quand on ira récupérer chez les petits nains. Eh bien, le papier cadeau, hop, ça aussi. Donc voilà, j'ai plein de petits vêtements différents. On va aller tout de suite. On va aller tout de suite découvrir ça. Ah là là, ça me perturbe. L'herbe, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau. Heureusement que j'ai. En tout cas, ça fait bien ressortir quand même mes motifs, hein. Ok, et ben vous savez quoi? Je pense que c'est la pièce la moins chargée. Donc on va tester ici, direct. Alors, mur Mario. Ah yes. Ah là là, regardez ça! C'est canon. C'est trop, trop, trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Franchement, j'adore de ouf. Je suis trop fan de Mario. Ça me rappelle une pièce de chez moi. J'ai une pièce de chez moi où j'ai collé des stickers géants sur tout un pan de mur. Et c'est exactement les mêmes. Mais genre, exactement les mêmes. C'est incroyable. Oh, j'adore, j'adore. Allez! Ok, on a reçu ce petit cadeau de Nintendo. On va regarder tout de suite également dans le Nook Shopping s'il y a des articles spéciaux. Donc oui. Ah là là. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop. Ça s'appelle le Hinamatsuri. C'est trop joli. C'est pour la fête des femmes donc au Japon. Et c'est trop beau. On va l'acheter direct. Commander. Hop, je vais en commander plusieurs même. Je vais les mettre, vous savez quoi? Ça va aller parfaitement sur mon île hémisphère sud. Vu que le thème, eh bien, c'est Japon. Je vais en prendre plein. Je vais commander le maximum de ce que je peux commander. Allez, j'en commande 5. Du coup, je les recevrai demain. Ah là là, ça claque. Oh, c'est trop trop beau. Je suis trop contente. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose. C'était sûr. Donc, le mur de Mario, franchement, c'est cool. Juste pour le premier jour, avec la mise à jour. Et bah, je sais pas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis très contente. Je trouve que ça claque. Oh, bah, regardez, il y a Néferti. Ah là là, ça a pas du tout. Comment elle a sorti ses vêtements? Aïe, ça a pas du tout, hein. Claque au sol. Hop, elle a Didi aussi. Oh, ah là, attendez, on va passer par ici. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, remarquez, j'ai pas mal de sable. Ah, j'ai pas mal de sable. Ah, ça va, c'est cool. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça va être moche. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Vivement que la pelouse, que l'herbe, elle devient un petit peu plus verte. Parce que franchement, le vert cacadois comme ça, franchement, c'est pas du tout mon trip. Hein. Je sais pas vous, hein, mais je vais bloquer dessus. Hein. Oh, je vais bloquer dessus. Ça va me donner envie de pas rester à cette période-là. Hein. Bon, bah, regardez les racines. Salut, racines. Bon, alors, on va aller voir mes petits nains. Mais dites-moi, ils sont tous réveillés? Ils se sont réveillés aux aurores aujourd'hui ou quoi? Pour la mise à jour peut-être? Peut-être pour la mise à jour. Salut mes petits nains! Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant aujourd'hui? Une table de ping-pong, une armoire, la petite table comme ça? Non, bon, allez, pas du tout. Papier cadeau. Est-ce qu'on va avoir du papier cadeau qui est sympa? Allez, faites qu'on ait une couleur sympa qui relève un petit peu cette herbe cacadois. Vert cacadois. Oh, du bleu marine et du rose. Et bah, vous prendre que du rose, hein, évidemment, on est sur une île kawaii. Donc, on va prendre que du rose. Ok, c'est parfait, j'ai tout acheté, j'emballe et je vous retrouve juste après comme d'habitude. Et bien voilà, comme d'habitude, j'ai emballé tous mes petits paquets. On va faire le tour de l'île pour pouvoir offrir et bien ces petits cadeaux-là. On va peut-être passer au Nook Stop parce que je sais pas, je vais quand même aller vérifier, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des petites choses sympas à regarder de nouveau. Et ben allez, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh. Du coup, j'aimerais bien savoir si le mur Mario, bon bah là du coup je l'ai plus sur moi vu que je l'ai changé, mais est-ce qu'on peut le racheter pour en avoir plusieurs? Ah ouais, j'avais envie de savoir. Oh bah regardez, à Christine qui est en train de faire son petit sport, on va la déranger. Oh Kibi, Miss Click. Tiens, c'est pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh ben tiens. On va tout. Oula! Oh, regardez Laura, elle est en train de réfléchir. Allez, ouvre! Allez! Qu'est-ce que c'est? Un t-shirt Kanji! Oh, cool! Elle va rien m'offrir, je crois, parce qu'il coûte pas très très cher. Ah, yes! Oh, trop mimes! C'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore, je trouve ça trop joli. Regardez-moi ça! Ah là là! Mais qu'est-ce que t'as, toi, là? Oh, dès le matin, déjà, elle réfléchit comme ça. Bon, je pense pas qu'elle veuille partir, hein.
Ah, Kibi, parce que c'était quand? C'était hier? Hier, c'était qui? Hier, c'était... C'était pas Mathéo? Si, je crois que c'était Mathéo. Un petit oiseau m'a dit que tu rêvais... Oh bon, ça va. Que tu rêvais de mettre la robe, la main sur une robe victorienne. Pas vraiment, mais on est sympa avec Laura, donc on va lui dire que oui. J'espère que le petit oiseau ne s'est pas trompé. Je crois bien que si. Il est nul. Il est nul, ce petit oiseau. C'est ce qu'on a répondu. C'est ce qu'on a répondu la dernière fois. À qui on a répondu ça? Oh purée. C'était à Didi ou c'était à Monica peut-être? Je crois bien que si. Ah mince, j'aurais dû m'en douter. Mais en vrai, c'est les mêmes réponses. Oh purée. Enfin, maintenant que je l'ai acheté, ok, elle va me la filer quand même. Merci, c'est trop mignon. Cette histoire de petit oiseau, franchement, ça me fait trop délirer. Je sais pas si ça vous fait délirer, moi, ça me fait trop délirer. Eh bien, il se pourrait que tu aies besoin de moi, oh là là. Bah ouais, sinon je te reparlerai pas. Mais en vrai, j'ai pas besoin de toi, je voudrais juste offrir une petite robe ou un petit pull, un petit truc kawaii pour que tu sois encore plus dans le thème. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner celui-ci. Allez hop. Allez, tiens. Allez, ouvre. Qu'est-ce que c'est? Une robe à dentelle à fleurie. Oh oui. Oh, elle est super belle, cette robe. Elle est super belle. Ah oh, ouais. Je me demande si je ne l'ai pas déjà offert, mais pas dans cette couleur-là. Un colon intégral, incroyable. Un colon intégral. Est-ce que tu penses que vraiment que je vais mettre ça? Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, salut. Ma petite Rosie, regardez-la avec ses petites joues. Elle est tout le temps en train de traîner ici. Comme si elle attendait quelque chose. Je sais pas, t'attends ton vol ou quoi, la Rosie, là? Oh, Kibi. Wesh, ma chérie. Alors, parle-moi d'un truc. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu passes voir ta chère Rosie? Bah ouais. Et puis j'aimerais bien t'offrir un petit cadeau pour que tu sois encore plus kawaii que tu l'es déjà. Parce qu'elle est déjà grave kawaii, hein, Rosie. Hein. Tiens, ça te ferait plaisir. Tu as quelque chose pour moi? Bah ouais. Alors attends. Toi, on va te filer... celui-ci. Allez. Qu'est-ce que ça va être? Oh, mystère! Allez, ouvre! Un pull joli rêve! Oh, mince! Oh, purée, c'est tombé sur un doublon. Peut-être qu'elle... Attendez, elle l'a eu en bleu, elle l'a peut-être pas eu en rose. C'est peut-être un rose. C'est une de mes fringues fétiches. Eh ben, ça tombe vachement bien, ça. Elle l'essaye pas. C'est un truc les plus utiles qu'on ne m'ait jamais offert. Elle va pas le mettre? Oh! Vous avez vu ça? Elle essaye pas, mais comment c'est possible? Peut-être parce qu'elle le porte déjà. Oh my god, trop bizarre. Trop bizarre. Ok, parler aux habitants, aux voisins. C'est fait, ça. Comme d'hab. Ok, bon, bah... Je suis un peu triste. Je suis un petit peu triste. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Oh, cette tête. Pourquoi elle s'énerve comme ça? Comme tu le sais, j'aime pas faire des emplettes et quand quelque chose me plaît, je cherche le meilleur tarif. Mais elle s'énervait toute seule ou quoi? Ah non! Mais d'après Christine, je devrais arrêter de compter et juste acheter ce qui me fait envie. De quoi elle se mêle? Elle comprend même pas la moitié du plaisir de l'achat et dans la négociation. Oh, c'est nul! Est-ce que vous trouvez que c'est nul ou pas? Elle est nulle dans l'histoire. Je trouve aussi. Je vais dire ça. Merci, ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule à penser ça. Ah là là, on la soutient. On soutient quand même Laura. Dis, si on achetait les mêmes choses que Christine, mais à bien un meilleur prix. Bon, allez, salut. C'était nul son histoire. Et regardez-les, ils sont en train de faire leur petit sport, n'importe quoi. Bon, allez. Moi, je voulais voir dans le Nookstop. D'ailleurs, si vous commencez le jeu, n'hésitez pas à vous connecter régulièrement parce que vous gagnez tous les jours, en fait, des miles. Donc, c'est cool. N'hésitez surtout pas. Alors, bref, moi, ce que je voulais regarder, c'était ici. Parce qu'on a déjà regardé dans le Nook Shopping. On va voir ici, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques? Je pense pas. Ça, non. Et dans les cadeaux... Non, je crois qu'il n'y a rien de nouveau, le parapluie. Non, 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 ça, c'est pas nouveau. Non plus. Non, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est les objets de d'habitude. Je vais quand même tout regarder, hein, mais il me semble... Non, il me semble qu'il n'y a rien de nouveau. Les tickets, machin.
Ça, c'est les clôtures. Enfin, ça, c'est tout, en fait. Non, bah, il n'y a rien de nouveau. Ok, c'était bien de vérifier quand même parce que ça arrive. C'était quand? C'était 7 l'été dernier. L'été dernier, il y avait des choses qui étaient dans le Nookstop à échanger par Miles. Ok, c'est magnifique. Bon, Racine, franchement, j'ai rien à lui acheter. J'ai vendu tout ce que j'avais en buisson. Donc, en vrai, j'en ai vraiment pas du tout besoin. Oh là là, ça fait trop bizarre, Képutèche. Oh, les bambous, regardez, ils sont tout verts. Ah là là, pensez à les taper les bambous. Pensez vraiment à les taper comme ça, et bien vous allez pouvoir récupérer des jeunes pousses de bambou. Et franchement, il y a plein de petits trucs sympas à craft avec. Alors attendez, Raymond il est chez lui, c'est parti. Ah là là, c'est la brocante. Oh, il y a Nadine. Il y a Nadine chez lui, mais regardez-moi ça. C'est la brocante chez lui, c'est n'importe quoi. Ça va un petit peu mieux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, ça va un tout petit peu mieux, mais c'est quand même la brocante. Hein. Oh, regardez cette tête qu'il fait! Regardez la tête qu'il fait, Raymond! Il est hyper content. Et là, Nadine qui s'installe et tout, tranquille, au calme. Regardez, mais ça, ils sont trop mimes. Ils sont beaucoup trop mimes, hein. Alors, c'est parti. Oh là là, cette tête qu'il fait! Kibi et Nadine chez moi, il faut fêter ça, youhou! Tiens, voilà, c'est pour toi. Ah oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il porte? C'est une combinaison. C'est un truc de lutte, ça, je crois aussi. Hein. C'est un truc de lutte. C'est claqué au sol. Allez, tiens, tu vas te changer, tu vas mettre ça. Et la Christine, elle a même pas porté. C'est pas Christine, c'est Nad, c'est Rosie, la Rosie qui a même pas mis ce que j'avais offert. Il y a quoi là-dedans? Eh ben, ouvre, hein. Non, je n'ose pas y croire. Un mumu hibiscus. Oh! Il a le mumu hibiscus. Oh, elle est trop belle, cette robe. Elle est trop belle. Je sais pas ce que ça va donner sur lui. Oh, qu'est-ce que ça va donner sur lui? Allez, essaye là. Oh, c'est chelou. J'avoue que là, franchement, pour le coup, c'est un peu bizarre. Un pull à écouteurs. Ok, vas-y, envoie. Hein. Envoie ton pull à écouteurs. Oh, aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça. Regardez la Nadine, la tête qu'elle est en train de faire. Ah là là, c'est hyper féminin quand même. Ça aurait été peut-être plus joli quelque chose de comment dire, d'uniforme. Vous voyez ce que je veux dire? Là avec les fleurs, bon, c'est mignon quand même. Bon Nadine, vous savez quoi? On va sortir, on va rentrer. Oh, vite, avant qu'elle s'assoie. Ah, tu es venue voir Raymond toi aussi? Les grands esprits se rencontrent comme on dit. Bah ouais, carrément. Tiens, voilà, c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on va lui offrir à Nadine? Bon, Nadine, c'est sûr, de toute façon, tout va lui aller parce qu'elle est trop belle. Comme tous les autres, d'ailleurs. Hein. Tout leur va bien. Peut-être que Nefertiti, tout ne lui va pas forcément super bien. Hein. Quel bel emballage, je me sens presque triste. Ok, vas-y, ouvre. Un pull joli rêve. Tu avais une erreur, ce n'est pas vraiment moi. Si, mais si, allez. Ah là là, magnifique, ça lui va super bien. Un tablier nostalgique. Et bah vous savez quoi, parce que je pense qu'en plus Nadine, je lui avais offert en bleu. Donc regardez-moi ça en rose. Non mais il lui va hyper bien. C'est trop joli. Oh, c'est trop joli. Elle est trop belle, elle est trop... Oh mais regardez-moi ça, ils sont trop mignons tous les deux. Ils sont super potes, ils sont meilleurs potes. Allez, salut. Ok, pour eux c'est fait. On va aller voir chez Monica. Est-ce que Monica est chez elle? Qu'on puisse lui offrir son petit cadeau. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, regarder, j'ai fait la décoration enfin de chez Monica. Oui, elle est chez elle. Et donc voilà, on a fait un thème carnaval kawaii, tropical kawaii, on va dire. Plutôt, c'est plus joli que carnaval kawaii. Et donc voilà ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne savent pas, eh bien voilà, nous sommes ici chez Monica. Et bon, bah écoutez, c'est pas mal. Ça me plaît pas trop mal encore. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bref, et ben c'est parti. Hein. Go voir chez Monica. Elle est en train de craft. C'est claqué au sol, sa maison. Sa maison, elle est claquée au sol. C'est pas son vrai intérieur. Et franchement, rien que pour ça, ça m'embête un peu quand même. Ça m'embête un peu. Faudrait que je la fasse partir et que je la fasse revenir. C'est une astuce qui était sympa, qu'on m'avait donné, je sais plus qui c'est qui m'avait, je crois que c'est Aurore. Je crois que c'est Aurore qui m'avait proposé cette technique, je la fasse aller chez elle, et puis après je la fais revenir, et elle aura le bon intérieur, et je perdrai pas mon amitié avec elle. Alors, je suis jamais sûre d'un gros coup de marteau, et la bonne solution, tiens, salut Kibi, t'es occupée hein? Allez vas-y, envoie ton plan, c'est une lampe cerise. Je sais pas du tout, je lis pas ce qu'elle me dit, mais je sais pas si je l'ai la lampe cerise. Ça me dit rien. Ça me dit absolument rien du tout. Vas-y, envoie ton plan.
Ok. Voilà. Oh, elle a mis son petit pull, son petit gilet rose. Oh, c'est trop mignon. Alors attends, tiens, c'est pour toi. Ça te ferait plaisir. C'est pour moi. Ouais, pour l'instant, tu restes sur l'île, donc t'as le droit à tes petites tenues kawaii, toi aussi, hein. Alors, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Un sweat à capuche simple. Ok, cool. Très, très bien. Il est rose. Il me semble qu'il est rose, ouais. Magnifique. C'est parfait. Oh, ça lui va bien. C'est joli le rose et l'orange aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le rose et le rouge. Mais le rose et le orange, c'est pas mal aussi. Hein. Ça fait. Ouais, ça fait. C'est pas mal du tout. Hein. Bon, le rose corail, évidemment. Hein. Bon, allez, salut. Elle twerk, elle aussi. Regardez ça avec sa queue. Ah là là. Bon, c'est pas aussi drôle que Sophie, que les autruches. Mais c'est rigolo quand même, hein, regardez ça. Allez, salut. Bon. Eh ben, c'est nickel tout ça. On va vérifier la lampe cerise. J'ai un doute. Ah non, je connaissais déjà. Ah là là. Ça me disait rien du tout, cette lampe cerise. Bref, c'est pas grave. On continue le petit tour. Qui c'est qu'on n'a pas croisé encore? Alors, attendez, attendez, attendez. Hop, hop, hop. On va regarder ça. Il me reste combien de cadeaux? Il m'en reste 4. Eh ben, on va remonter. On va aller voir chez Néferti. Il y a la Didi qu'on n'a pas croisée non plus. Il y a Marina non plus qu'on n'a pas croisée. Et il y a Mathéo. Et ben voilà, c'est les 4 qu'il nous manque. Et ben c'est parti. On va passer. Et ben on va passer chez Laura. Chez Laura, c'est juste par ici. Mais Laura, on l'a déjà croisée, hein. Mais c'est raccourci comme ça au moins. Hop, de chez Laura. Et bien, on va passer chez Néferti. Je sais pas si elle est chez elle. En tout cas, elle n'était pas sur la place tout à l'heure. Donc, il y a peut-être moyen qu'on puisse la croiser sur le chemin. Je sais pas. En tout cas, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez elle. Peut-être qu'elle est au musée, hein. Ah là là. Ah ben il y a Didi là-bas. Parfait. Regardez-moi ça. C'est nickel. Elle était en direction du musée, hein. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de te voir d'aussi bon matin. Eh ben, écoute, c'est cool. On papote? J'adore mes petites discussions. Je pourrais presque dire que ça suffit à mon bonheur. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Bon, c'est quand même une escroc. Fichtre, te revoilà. Tout va bien. Ouais, tiens, c'est pour toi. C'est pour moi. Alors, attends. On va lui filer à elle. Bah, celui-ci. Allez, ouvre! Une chemise de nuit éponge. Ah oui, c'est la petite robe. Elle est trop, trop, trop belle. Vous allez voir, elle est trop jolie. Elle fait pas du tout chemise de nuit. Elle fait petite robe et franchement, elle claque de ouf. Oh, magnifique. Bon, de toute façon, franchement, Didi, franchement, vraiment, tout lui va à ravir. Elle est magnifique. J'aime beaucoup trop cette habillante. Franchement, elle a un design qui est vraiment trop joli. Un débardeur de marathon. Toujours claqué au sol, c'est cadeau. Merci. On lui dit merci quand même. Mais regardez-moi ça, les couleurs lui vont tellement bien. Aïe, aïe, aïe. C'est beau avec son petit filet doré comme ça. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle. Elle est sublime. J'adore. Oh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus et à me dire. Ah bah regardez, elle est juste ici la Néfertiti, c'est parfait. N'hésitez pas, j'étais en train de vous dire de mettre des petits pouces bleus et à me dire est-ce que cette journée vous plaît, cette journée de mise à jour. Aïe, aïe, aïe. Alors, konnichiwa, je voulais justement passer te voir. Miou! Ok, et bah tiens, c'est pour toi. Oh là là, mais la coiffe avec le t-shirt, ça ne va pas du tout ensemble. Oh, ça va pas du tout ensemble, ma chérie. Hein. Tiens, tu vas te changer et tu vas mettre ça. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Allez, ouvre! Une robe. Oh oui, la robe col marin. Ah là là, c'est pas mal aussi. C'est très 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 mignon. Oh, une tenue de rugby. Est-ce que je fais du rugby? Je fais pas du rugby là. Ah là là. Moi avec la coiffe. Après c'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'on leur offre plein de trucs et puis après, bon bah après ils mettent tout un peu n'importe comment, hein. Bon, on va aller voir est-ce que Mathéo, bébé chou Mathéo, est-ce que bébé chou Mathéo est chez lui? Et eh bah ben, c'est parfait, moi ça regardait. Bébé chou Mathéo, il est chez lui. Et eh bah ben, du coup, il restera plus que Marina et on aura fini cette tournée de cadeaux. Salut toi. Oh, il a enlevé sa table pour craft. Ah ouais. Il a mis son petit ordinateur portable sur sa table basse. C'est pas mal du tout, à part la canne à pêche en plein milieu. Je sais pas ce que vous en pensez, ça va beaucoup mieux hein, chez Mathéo. Hein. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Ah ouais, c'est un peu vide hein, ici là. Il manquerait vraiment quelque chose. Ah ouais, faudrait qu'on pense à lui offrir quelque chose. Et bah peut-être un fauteuil, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, alors voyons voir. Allez, salut, raconte-moi tes dernières aventures. Tiens, c'est pour toi.
C'est pour moi, sans rire. Ouais, c'est pour toi, sans rire. Et bah, tiens, je sais pas du tout ce que ça va être. Raymond, il a eu la robe avec les hibiscus. On va voir Raymond. On va voir Mathéo, qu'est-ce qu'il va avoir. La robe à volant. En dentelle. Attendez-moi. Oh, purée. C'est trop mignon. Oh my god. Oh purée, un pull tricoté à haron. Ok, c'est cool. Merci. Incroyable. Bon, qu'est-ce que... Oh purée, regardez-moi ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va, c'est mignon quand même, non? Moi, j'aime bien. Il faut qu'ils soient tous kawaii. Bon, allez, salut. Ok, ils doivent être tous kawaii. Oh là là. Bon, go voir chez Marina. Est-ce que Marina, elle est chez elle? Ça serait cool, comme ça éviterait qu'on aille la chercher. J'ai pas du tout envie d'aller jusqu'au musée. Mon parc d'attractions. Ah là là, je suis trop contente de ce parc. Je suis trop contente. Je trouve bien fourni et tout et tout. Je suis très contente. Alors, ma petite Marina. Ouais, elle est chez elle. Ça claque. Allez, c'est parti. Salut toi. Oh, regardez. Ah oui, elle a eu le vert. C'est, franchement, c'est pas mal. Non, 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 t'assois pas. J'étais en train de dire, elle a eu le fauteuil lune vert. Mais en vrai, ça me dérange pas chez elle qu'il soit vert. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Entre donc, Ibi, tu es ici chez toi. Burp. Bah, c'est gentil. Tiens, parle-moi d'un truc. Je me demande si... Mais ils arrêtent pas de me parler de Kikibishi, c'est incroyable. Kikibishi a qu'à Ursula, la méchante sorcière. Je me demande si Kikibishi a besoin... A une boisson préférée. Tu sais, toi? Je crois savoir. Bah ouais, hein. Tu as déjà fait ta petite enquête, on dirait. Ça m'étonne pas. Moi, mais j'ai changé... Mais j'ai changé d'avis. Tu as déjà fait ta petite enquête, on dirait. Ça m'étonne pas. Mais j'ai changé d'avis. Mais j'ai changé d'avis? C'est bizarre ce qu'elle est en train de me dire. Est-ce que c'est chelou ou pas? Ça veut rien dire. Ne me dis rien, Burp. Je vais lui demander directement. Ok. J'ai rien... Je vois pas pourquoi elle me dit ça. C'est trop bizarre. Bref, c'est pas grave. Hein. Tiens, c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. C'est trop ça. Tiens. Je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est une autre robe. Ah, peut-être la robe à... Une autre robe à dentelle? Une robe ballon en satin. Ah oui! Elle est très très belle, avec les petites perles sur le col. Oh, elle est super jolie celle-là aussi. Raillé, on voit pas avec la table. Zut alors, un jeu de plateau. Ok, c'est cool. Alors attendez, on va tourner la caméra. Ah oui, regardez ça avec les petites perles au col. Non, elle est trop mignonne. Regardez ses tentacules. Ah là là, ces petites ventouses roses. Elle est trop mims. Trop mignonne. Très très mignonne. Ah regardez, elle aussi, elle avait eu la petite robe comme ça. C'est pas une robe, c'est une chemise de nuit. Mais bon, elle fait vraiment robe. Hein. Et bon, son petit fauteuil lune, croissant de lune vert. Et bah franchement, vous savez quoi? Bon, c'est sûr, c'est le seul truc qui a vert de chez elle. Mais ça me choque pas trop. Bon allez, salut! Bon, et bien voilà, on a fini cette tournée de cadeaux. On a fait la mise à jour. Et ben, je trouve que c'est super, super cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On a eu quand même le mur Mario. Demain, on va pouvoir récupérer, et bien, la petite étagère de poupée. Je sais plus comment elle s'appelle, j'arrive pas très bien à le prononcer. Donc, on va dire la petite étagère de poupée. La grande étagère de poupée. Bon, ben voilà, il n'y a plus de neige sur nos îles. Franchement, l'herbe, elle est pas belle du tout. L'herbe, elle est pas belle du tout, du tout. Elle est caca. Oh, regardez les verdis. Oh, mais il y a Didi, je vois son petit minois juste derrière. Eh bien, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo et à vous abonner, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur un live. Des bisous, les kibichis.